trois axes d'action de la BRH, l'agro-business et blockchain. Comment tout ceci interagissent, comment tout ceci sont reliés entre eux. Sachant que les pays ayant connu une croissance économique spectaculaire ont connu initialement une forte augmentation de leur productivité agricole. C'est extrêmement important, justement, de regarder l'histoire des autres pays comme Vietnam, Taïwan, Philippines, etc. Il faut commencer par la mise en place de politiques de financement du secteur agricole et de l'agro-business, ce qui devait permettre de déboucher sur la création de richesses à travers les chaînes de valeur, avec des incidences positives sur la croissance économique. Et l'agro-business, qui pourra également bénéficier des retombées de la technologie blockchain. On en parlera un peu plus tard au niveau de cette présentation. La question, c'est quelles sont les relations entre l'agro-business et chacun des trois axes majeurs d'action de la BRH. Le développement de l'agro-business et du secteur agricole en général bénéficie nécessairement de la diversification de produits financiers découlant du développement des marchés financiers. Je crois que c'est un petit peu trop petit pour que vous arriviez à voir, pas vrai? Ce qui est excellent parce que vous allez m'écouter au lieu de lire. Mais je lis pour vous. Des financements appropriés à différents niveaux de la chaîne de valeur, crédit court terme aux clients, etc. Des titres de participation dans des entreprises agricoles, voilà ce vers quoi nous devons aller. Des produits d'assurance indicielle et des contrats à terme. Assurance indicielle extrêmement intéressant. Contrairement à l'assurance agricole traditionnelle, qui définit son tarif en fonction de la probabilité de sinistre sur la base du rendement de l'année précédente, l'assurance indicielle utilise des indices météorologiques tels que l'humidité, la pluviométrie et la température et la collecte des données satellitaires qui donnent en fait une idée en fait du désastre qui peut arriver en fait à ce champ et automatiquement permet de faire en fait de kick-in en fait la prime d'assurance. Donc, l'assurance indicielle est liée à un indice, comme je disais, tel la pluie, la température, l'humidité ou le rendement des cultures. C'est un outil qui a l'avantage d'être plus abordable pour les agriculteurs et d'accélérer la prise en charge des sinistres en évitant à l'assureur d'envoyer un expert sur le terrain et d'encourir des coûts additionnels. Parce que vous imaginez en fait que je voulais chercher un endroit qui est très loin, par exemple. Anse de nous, c'est pas très loin, mais je pourrais dire Jérémy, Dame Marie, il faut envoyer, c'est-à-dire que une assurance, il faut envoyer quelqu'un jusqu'à Dame Marie pour évaluer, etc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tandis que dans un écosystème différent, si on a en fait une assurance indicielle, c'est plus facile en fait de le faire de manière technologique et de payer à l'entreprise. Est-ce qu'il y a des risques? Certainement, mais il va falloir en fait arriver en fait à ceci. On peut avoir aussi des pôles d'assurance. Des pôles d'assurance permettant aux assureurs de se diversifier et de limiter leurs pertes en cas de catastrophe. BRH a modernisé, en fait, a aidé coopératives à moderniser de façon à ce que le cas capable de bailler un service adéquat au même titre que n'importe quelle banque que le cas bail à la population rurale. Et troisième élément, nous avons parlé, c'est le marché financier que nous développons aujourd'hui comme troisième axe d'action. C'est trois axes d'action que nous développons aujourd'hui. Nous développons le marché financier, inclusion financière et puis agenda monétaire pour croissance. Agenda pour croissance. Donc, ces trois axes d'action que nous développons, je dis, mais certainement, c'est trois parmi pratiquement, on a dit, sept axes
d'action importante que nous gagnons au niveau de la BRH. Mais agriculture là était un fondamental si nous voulons vraiment faire différence à paysage, si nous voulons vraiment créer emploi dans paysage, si nous voulons réduire le poids de l'importation dans paysage, si nous voulons que haïtiens capables de jouer un job dans paysage que nous avons créé pour son emploi. Bon, c'est que je résume un petit peu rapidement ça que je vous ai dit. Certainement, nous parlons de technologie blockchain et certainement, nous disons pour tout le monde qui attendait, ok, Bitcoin, crypto-monnaie, pas gain cours légal en Haïti. Quel que soit ça, nous attendait, ok, faites-nous connaître que Bitcoin, crypto-monnaie, pas gain cours légal en Haïti. Globalement, je résume un petit peu ça que je vous ai dit là en quelques minutes. Je vous fais 45 minutes de parler. En pratiquement 3 minutes, je résume ça que je vous dis là. Donc, maintenant, certainement, je suis ouvert à vos questions. Alors, on aura 4 questions. Bonjour, c'est le Pierre Garou de la Métropole. Et, agriculture, là où il faut que nous renforcions, si nous voulons créer un job et qu'on descende sur des potes là. Maintenant, nous reconnaissons le secteur qui fragilité, qui fait que jusqu'à présent, pas qu'à joindre les supports. Agriculture va avoir un crédit parce que les précarités dans le secteur dépendent de saison, la pluie va tomber, les côtes gaspillées, il ne va pas avoir un cop. Assurance par les couvrir le secteur ça tout à cause de toute la fragilité. Mais est-ce que vous parlez de BRH Café au niveau ça, mis à part encourager les coopératives, renforcer eux. Ce qu'on va faire un café tout dans le secteur ça pour réduire la précarité dans le secteur. Alors, bagaille rapidement, pour parler de agenda pour croissance, qui est l'autre secteur que nous encourageons, nous baillons et incitations, mis à part l'agriculture et qui type d'incitation que nous baillons dans le cadre de l'agriculture. Pourquoi ça? Merci, Lucien. Et vous posez une question très sérieuse et qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que je toujours dis effectivement que l'agriculture, ok, et l'agriculture son domaine qui est risqué, en fait, son secteur qui est risqué. Secteur qui risqué, premièrement, on va dire que l'agriculture n'est toujours qu'on fait l'agriculture. Est-ce que c'est aujourd'hui qui est risqué ou bien on est déjà risqué depuis l'année qu'on fait là? Ok. Parce qu'il faut voir quelque chose, on va y arriver quand même. Il y en a qui arrivent avec l'offre agriculture de subsistance. Ok, c'est pas la même chose que soit fait agriculture pour aller vendre. Ok. Il y en a qui arrivent, nous, rapidement, on va le dire de façon à ce que je vais avoir une réponse. Et, par contre, si nous avons l'époque à ce côté-là, pas vrai? L'époque à ce côté-là, à ce côté-là, on a acheté canne. Donc, l'homme agriculteur planté canne, il connaît que le bon monde a acheté. Et autrefois, dans la province, nous avons gagné, ça a été les. Pour café, c'était les spéculateurs. Nous avons gagné des spéculateurs dans chaque zone, pas vrai? Donc, le monde qui a produit café, il connaît que depuis le produit café, il y a un monde qui peut l'acheter là-même, pas vrai? Et ainsi de suite pour plusieurs. Nous avons un standard fruit et pour banane en certaine époque. Depuis qu'on produit banane, il y a un monde qui peut l'acheter. Mais je dis, l'or était par exemple juste que Maronet, Dame Marie ou bien Belader, etc. Et qu'on produit un bagage que pas de route. Et qu'on produit qui sortit pour Punta Cana, c'est-à-dire que juste dans l'autre côté Saint-Domingue, arrivé en Haïti, qu'on produit qui produit Jérémy par exemple. Puis vite, à moindre coût. Ok? Parce que il y a une infrastructure. Est-ce que vous comprenez ça tout là? Ça veut dire que c'est vrai que risque là toujours là. Mais le monde n'a pas même gain espoir justement que ça le produit à la Cavani ni pas intéressant. Et c'est pour raison ça me pense que son travail intéressant que Caravane a fait, il est important, faut applaudir lui parce que le l'a créé route, c'est-à-dire que le gouvernement voulait créer 4000 km de route pour relier toute zone ça. Ça veut dire que un produit qu'on y a là, li ca sorti Jérémy plus facile pour venir vendre Port-au-Prince. Au lieu de rester Jérémy côté monde fin produit là. C'est ça qu'a consommé ou ça moun nan zone nan ka consommé que le ka utilisé et puis le reste pratiquement perdu. Maintenant, ou t'as intérêt que gen route, que gen des infrastructures et que gen des entrepreneurs ka l'inta installé en fait des entreprises de transformation dans zone ça et qui gen en fait moyen de transport là pour ramener vers les grands centres de consommation de façon à ce que moun ka produit connaît que depuis le produit la vienne ni. Maintenant, pour assurance, c'est une bonne question et c'est une question que
nous sensibiliser à lui-même. Et c'est pour raison ça, tu as un SIFA qui t'a fait une expérience d'assurance agricole qui pourra le faire, mais que nous parlons de perdu expérience que vous faites, nous rapatrier en fait dans FDI de façon à ce que nous commençons à mettre en place un programme d'assurance agricole, mais qui est plus général. Et c'est ça que je parlais là tout. Je parlais que technologie blockchain, en fait, qui sont technologies qui permettent traçabilité et tout ça, ont une bonne capacité de façon à ce que les capables nous capables faire en fait en l'autre manière, assurance d'une autre manière. Parce que, pas oublier que l'assurance n'est pas un pays prime, non, il faut le vouloir le vérifier. Mais si pas de route pour la vérifier, si c'est difficile pour la vérifier, je ne vais pas me mettre dans l'assurance là. Parce que je ne vais pas l'assurance en côté et puis je ne vais pas vérifier pour moi si il y a des dégâts. Oui. Mais la technologie blockchain permet que vous pouvez utiliser d'autres paramètres satellitaires tels que pluviométrie, etc., température, humidité, qui certainement, tout un concours de conditionnalité, a fait que vous avez un désastre quand même qui est dans la zone là. Et vous n'avez même pas besoin de vérifier parce que vous êtes capable de vérifier par exemple à distance. Donc vous êtes capable de mettre une certaine assurance. Peut-être que nous avons commencé par une assurance récolte ou bien une assurance qui permet que les gens, s'ils perdent du tout le bagage, mais au même cas, ils plantent encore. OK? Il y a tout élément ça. Mais maintenant, il faut que vous gagnez des structures financières dans la zone là, qui pour permettre d'avoir accès à source de financement. Ça. Et c'est là que il faut que nous fait au niveau coopératif de façon à ce que yo capable vendre services financiers ça ou bien il faut que nous voulons faire au niveau de microfinance que nous gagne loi qui dans la chambre des députés sont fondamentales. Il faut que loi ça réussisse sorti de façon à ce que nous capable gagne microfinance. Microfinance là qui s'allie dans la loi. Microfinance là car tant que des petites banques régionales qui prend des pots, etc., mais qui pratiquement offre le même service qu'un banque fait à la manière en fait des petites banques régionales aux États-Unis, etc. Faire finition, c'est exporter nous exporter, c'est importer nous importer. Donc là maintenant, l'entreprise, nous travaillons bijoux local, tant qu'on zobef, nous faisons des colliers avec eux, bracelets, bagues, nous faisons ustensiles de cuisine, tout. Et nous mettons dans l'habillement tout, tant qu'il y a un rad qui fait avec con, malheureusement qui n'est pas là, mais nous rentrons con non. Il n'est pas seulement dans bijoux, il est dans vêtements, il est dans sandales tout. Ensuite, nous faisons des sacs à main, que soit garder peut-être quelques sacs là, fermeture là, ça nous relève les boucles là, c'est avec con non que lié tout. Nous intégrons con non là-dedans. Nous gagnons tout des bijoux, de sandales que nous faisons avec perlage. Donc c'est toute tout variété. D'ailleurs, depuis entrer dans l'entreprise, j'ai toujours dit que on habille la caille moins souvenir, c'est de la tête aux pieds que nous habillons ni fille ni garçon. Nous avons un atelier qui est le Joey Vicolier, qui c'est Marim qui est principal artisan. Même pas qu'on essaye par amour que me prend. Bah là, en pile collier qui là que moi fait tout. Et les groupes croissance t'a invité nous venir en Babania aux Haïti qui toujours promouvoir nous t'est venir pour nous présenter produits nous que nous trouvons qui c'est de beaux produits qui c'est un travail de classe qui c'est un bel travail et nous présenter bon non pas qu'on est exactement comme quand on parle de quoi groupe croissance connaît si affaire économie et c'est base économie paysan surtout artisan yo. On décide de participer. 8e édition. En 2015, lorsque moi j'étais étudiante en sciences administratives, moi pas de déposer CV. Donc moi j'étais décidé de créer propre entreprise. Moi nous travaille dans transformation denrées agricoles. Nous transformer denrées et puis nous fait promotion, nous fait distribution tout. Distribution produits que nous faisons et puis nous travaille avec l'autre entreprise tout dans le même domaine. Qui va jouer un train pour faire des transformations? Ok. Nous jouons divers côtés. Nous jouons. Parce que nous travaillons directement, nous avons un contrat que nous faisons avec l'entreprise pour nous être en entreprise. Ça a regroupé l'association des producteurs haïtiens. Ils ont regroupé et puis nous allons dans la grande danse que nous allons prendre gingembre parce que nous avons un produit qui fait à base de gingembre. Nous allons dans la grande danse, nous allons prendre gingembre parce que c'est là que nous trouvons un meilleur marché.
Donc, il y a qui capacité de production et entreprise pour arriver à produire une quantité capable de métaux et imposer son marché. Ok, j'aime tout là, nous sommes une jeune entreprise, nous existons depuis 2015. Là, nous avons démarré, à 28 bocales Mamba. Je n'ai jamais dit à nous avons une production de 1000 pots de Mamba, 1000 pots de confiture. Et pour les tonus, on a tonus gingembre, tonus tamarin, tonus liqueur gingembre, 1000 de ces chaque. Donc, on a une production de 5000 par mois. Chaque masque. Je m'étais fait partie gagnant de Gisèle Entrepreneur 2017. J'avais dit, moi j'ai 8 ans sur le marché, c'est un produit que tout le monde connaît. Et je n'ai plus de satisfaction, c'est la raison ça qui permet que moi toujours exister pendant 8 ans. À qui ça vous voulez faire grimace? Oh, grimace, moi j'ai plusieurs variétés. Moi j'ai avec lait de coco, moi j'ai rhum raisin, moi j'ai chocolat, moi j'ai yon moi fait que la qui avec gingembre. Ok, moi j'ai sans lait de coco. J'avais dit, moi j'ai un paquet de variétés. Le coco et puisque nous connaissons coco et à son produit qui envoie des disparitions dans le pays là, surtout dans la commune Léogane, toute base à risque éliminé, détruit avec maladie tombée sur. Ok, moi gagne comme on t'a dit ça client qui vend moins mes produits coco et que m'utilise, c'est mon comme on t'a dit okay qui vend moins, avait dit c'est pur produit naturel. Et pour l'autre, ils savent. Grenadia c'est produit naturel et chocolat c'est fécano, c'est un nom. Gagné Gisèle 2017 tout, c'est dans mes fécano produit au Cap que moi fais que masse cacao. Expliquez-nous en termes de capacité production entreprise pour produire assez pour marché. Ok, oui, je produis assez. Sorti maintenant Gisèle Entrepreneur 2017 là, et demain, je viens plus, visibilité a venu énorme. Parce que rêve pour le moment là, depuis que je suis sorti Gisèle Entrepreneur là, et demain, pile sur l'échelle internationale. Et ma travail moi a multiplié contact pour moi dans qui mesure que pour produire n'ca arriver sur l'échelle internationale parce que demande vraiment énorme par rapport que monde de satisfaire dans produit hein. Nous gagnons bouteille 100 ans pour monsieur Damien. Et nous gagnons jus tamarin, nous gagnons crémasse qui gagne toute saveur là-dedans. Jus tamarin très à la mode dernier jour ça yo koto joine les matières premières ça yo moi gagne crémasse ou gagne toute l'autre baie koto rive joine train pour faire production. Bon, nous c'est dans pays nous nous gagne et produit tout partout côté nous joine tamarin dans toute zone yo. Kounia depuis Himalaya fin parler de 100 ans de jus tamarin, tout pays a net, tout monde net c'est jus tamarin. Et me féliciter tout monde yo et me féliciter moun yo et Téléguiné tout qui fait message yo passer et tout monde vraiment ni à l'étranger ni en dehors tout côté net yo t'étendé message là et puis ça passait vraiment et kounia tout monde net son juste jus. Et chaque monsieur, je crois, si il y a 1 million de garçons dans le pays, et je souhaite chaque tagué une bouteille 100 ans la caille. Aux Haïti, tout artisan ou qui est là, honnête, comment c'est tout ça nous est déjà, c'est sous bannier aux Haïti. Actuellement, les bouteilles que nous avons là, ce sont des bouteilles que les artisans ont fait. Bien entendu, chaque monde qui vient là, il a une définition. Mais chaque bouteille qui est là représente une inspiration bien spécifique. Il y a des bouteilles que nous sommes capables d'utiliser pour nous mettre dans la cuisine, que nous mettre dans la salle de bain, que nous sommes capables mettre dans le salon, tout et tout. Et puis nous avons tous des articles de l'autre artisan qui est le Jibou, qui fait essentiellement articles avec à base de sable de mer. Sous les sables gardés là, nous faisons avec cuir, pur cuir, c'est bœuf et puis cabrit, et puis ça c'est produit local. Les sables gardés là, nous transformons. Pour... En termes de qualité même, c'est... Très 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 bonne qualité. Ça moi même pour mettre sous dôme, un monde qui peut acheter une, moi m'apprêlo pour
pour mando comment produire. Les capacités pour produire en pile. Non, pour le moment, nous pas capable. Et pour ça nous passer dans la fois même en cas où si gagne plus monde qui intéressé ou bien un producteur qui voulait n'a produit pour en quantité. Ça so, gagne comme difficulté qu'il faut pas produire. Bon plusieurs parce que comprendre Jean pays a fonctionné même pour une fond d'agien ou espace qui est adéquat pour si on monde besoin qui plus ou moins. Et vous faites soulier ça et vous mettez tout même. Oui, jusqu'à présent. Moi identifier que vous avez identifié même dans film là. Même dans film, ça vous regarder les pour vous soulier là. Oui, ça c'est pour du local lui et là, ça vous regarder là. La police est là pour protéger et servir. Il n'y a pas que l'insécurité dans les rues, il y a au point de vue santé, nous sommes là également. Toutes les fois qu'on pourrait participer à une activité pour encadrer la population, on le fait. Et dans ce cadre-là, vous êtes sûrement au courant qu'il y a une épidémie de diphtérie qui justement fait l'actualité dans les différents départements du pays. Donc, de concert, nous avons sollicité l'aide du ministère de la Santé publique. Il y a le docteur Alexandre, justement, qui est le superviseur, coordonnateur pour superviser le poste de vaccination qu'il y a ici. Il y a maintenant et monsieur qui est le représentant de l'Organisation mondiale de la santé qui nous a aidé à mettre sur pied un poste de vaccination ici. La population cible, c'est principalement les enfants des policiers et du personnel administratif, mais toutefois, nous avons ouvert ce poste de vaccination aux enfants de la zone dès que les parents les amènent pour faciliter la vaccination du plus grand nombre d'enfants contre ce fléau qui est la diphtérie. L'information au niveau de la police nationale, nous avons à travers nos différentes entités, à savoir le DCPA qui est responsable de la police administrative ou les unités spécialisées de la police. Maintenant, le cabinet du directeur général de la police qui a fait passer à travers le CAO de la police, l'information pour que tout le monde soit mis au courant au niveau de la police et du personnel administratif. Bon, ça c'est au niveau de la santé publique. La vaccination se fera au niveau des différents départements. Là, nous parlons du département de l'Ouest. Et nous avions commencé depuis hier. Donc, maintenant, ce que vous devriez savoir, c'est que la santé publique, c'est un travail monstre que ces gens-là font. Parce qu'ils vont au niveau des différentes écoles, des kindergartens,
des écoles, ou tout du moins toutes les écoles qui ont été informées, les parents sont informés, ils doivent donner l'autorisation parce que nous ne pouvons pas prendre sur nous de vacciner sans avoir l'avis des parents. Bon, là non. La population cible, nous avions bien dit, ce sont les enfants. Parce que nous devrions quand même d'abord protéger la population qui est la plus touchée par la diphtérie. Non pas que les adultes ne soient pas intéressés, mais la priorité d'abord aux enfants, les adultes après. Parce que voyez-vous, un enfant qui ne parle pas encore et qui prend contact avec la diphtérie et qui ne peut pas dire ce qu'il ressent. Tandis que vous, si vous aviez mal à la gorge, vous allez me dire que j'ai mal à la tête et je me sens mal. Pas l'enfant. Et secondairement, aussitôt que la santé publique aura les disponibilités, je suis sûr que le docteur Alexandre, dès qu'elle aura, va nous informer. Nous pourrons de concert mettre quelque chose sur pied. Mais secondairement pour les adultes, pas pour le moment. Pour le moment, pensons déjà aux enfants. C'est une campagne de vaccination qu'on est en train d'effectuer au département de l'Ouest. Okay? Les autres départements ont dû faire leur campagne depuis le mois de mars. Okay? On a commencé depuis lundi au département de l'Ouest et hier, on a une séance de campagne à l'École nationale de police. Okay? On a dû vacciner les enfants des policiers de 1 à 14 ans. La diphtérie, c'est vraiment réel. Okay? C'est une maladie qui tue. C'est hautement létal, ok? Il faut faire vacciner les enfants parce que même si c'est l'État qui donne, il y a toute une série d'accompagnements, ok, de conditions de mise en place, ok, pour pouvoir réaliser la campagne. C'est à l'État d'assurer. C'est parce qu'en Haïti, on n'a pas l'habitude ou la politique de voir que l'État s'implique, ok, totalement dans les problèmes de santé publique en Haïti. C'est ça. Le nombre a commencé à augmenter de manière exponentielle à partir de 2014, 2014, 2015, 2016, 2017. Et c'est ce qui a amené à ce que l'État puisse organiser cette campagne pour essayer de freiner l'allure de cette maladie et éviter, réduire le moins possible le nombre de cas qui peuvent être notifiés chaque année. L'information qu'on doit savoir ici, dans la région des Amériques, en dehors de Haïti, il y a aussi le Venezuela. Ce sont les deux pays où il y a une augmentation du nombre de cas, Haïti et Venezuela. Par contre, dans les autres pays, le problème n'a pas encore pris d'ampleur comme en Haïti et au Venezuela. Pour le Congrès national, pour renouveler le directoire parti, hein, il y a trois cartels qui ont bataillé pour une là-dedans pour prendre tête partie. C'est cartel la charité dont on commence par soi-même, cartel que je représente à comme candidat à la présidentielle, qui c'est cartel réconciliation alternative, qui a représentation sous table à moi, même ensemble avec camarade Benz, qui c'est vice-président, alors candidat à la vice-présidence. Et il y a cartel jeunesse alternative qui représente la part 2. Camarade Moyo, Sifran et Bateau Junior, et il y a un autre cartel qui parle aujourd'hui, qui représentait par actuel président nous, et qui gagne tout comme candidat au secrétariat général, Osman Bradel. Conférence de presse là, nous balie aujourd'hui de façon conjointe deux cartels Sayo, parce que nous dit un, la fusion va bien parce que l'IA fait un exercice démocratique pour renouveler tête li et pour le nouveau directoire là. Deuxièmement, gagner des bagailles que nous voulons mettre l'autre camarade, sympathisant fusion, et pourquoi pas l'opinion publique et au courant de comment le processus n'a pas marché. Qui c'est qui ça? Nous revenons au moment côté et comité d'organisation congrès, hein, te baille le pour chaque cartel déposer liste membre qui a fait partie de cartel là. Ce que nous faisons. Et jusqu'à date, comité d'organisation n'a pas bay aucun cartel carnet, li agréé toute liste et réconciliation alternative, liste innovation et liste jeunesse alternative. Mais il arrive que nous produisons des contestations pour nous dire que il y a des anomalies
dans le processus là et gagner des articles qui ont violé dans le statut parti. Qui c'est article 5.2 qui baille comment pour moun fait pour candidat pour vivre dans tête parti. 5.2 a dit que faut qu'un moun gagne 5 ans de vie militante dans le parti pour le candidat dans le poste électoral. Et cartel innovation ont violé parce que deux moun pa ka di camarade parce que yo pa ni pa reconnaître yo pa gen personne moun ki reconnaître yo nan fusion qui c'est monsieur Prince Sanson Pierre et monsieur Jean Huganris qui pa mam fusion et nou wel nan cartel innovation. Deuxièmement, article 5.5 l'an dit le président ou la présidente 5.5.5 merci et les vice-présidents et etc. yo capable briguer deux postes dans tête parti hein? Mais faut après deux postes là yo tant même nombre d'années que yo fait dans tête parti hein? Pour yo passer et puis après pour yo vinn candidat encore. Maintenant plus loin gagner une disposition transitoire qui dit que pour l'article 55.5 les effets commencent à partir des prochaines élections. Oh, tout le monde n'a pas besoin d'avocat là pour nous connaître que la loi dispose pour l'avenir. Alors, directoire ça qui a mandé parti et qui mandé que qui a mandé statut hein, excusez-moi, et qui dit que yon moun ou bien yon équipe qui prend tête parti hein, pendant deux mandats, li pa ka joui de ça qui fait sous li hein, parce que disposition transitoire l'en dit que c'est à partir des prochaines élections. Or, les prochaines élections auront lieu lors du 3e Congrès national. Alors, nous dit que 3e point de contestation, nous, c'est que actuel président, nous, avec actuel secrétaire général, nous, il n'y a pas apte pour le candidat encore dans le même poste. Il n'y a pas candidat, oui, mais non l'autre poste. Mais il n'y a pas qu'à candidat. Il n'y a pas de candidat pour président parti ni pour secrétaire général parti parce que actuellement c'est pas ça que a occupé et statut parti pas ba yo mandat pour ça. Alors nous mandé que pour exercice démocratique là ca continuer. Nous mandé que pour fusion ca continuer prêcher par l'exemple parce que on dit que l'objectif d'un parti politique c'est la prise du pouvoir. Et bien pour nous prendre pouvoir dans pays il faut que cadio prend pouvoir dans tête parti et pour la fusion parler moun tande yo faut dirigeant et cadre parti respecter statut yo et prêcher par l'exemple. Nous pas cap di on bagay nan dehors et puis à l'interne nous faire le contraire. Alors nous dit que président parti secrétaire général parti yo fait un travail pendant 7 ans. Nous pas ka di ki extraordinaire mais au travail quand même yo fait yon bagay. Nous félicité yo pour travail que yo fait mais n'a di yo respecter article 144 là qui dit que si yo besoin prend deux mandats il a quitté tête parti hein, il a quitté l'autre qui prend tête parti hein et dans l'autre élection hein, il a pour aller pour 4e congrès hein, et si il prend, il a quelqu'un pour deux mandats. D'ailleurs, si nous t'avons tourné dans l'ancien statut hein, qui te dit que gagne monde qui capable prendre l'autre mandat, OK? Bon, nous dit que il a gagne temps sous 7 ans. Article ou bien statut hein, te bail au droit pour le président et secrétaire général pour 5 ans. Pour 4 ans, OK, qu'on y a dans sous 7 ans. Ce qui veut dire que si on a ancien, on a pris deux mandats, et si on était dans un nouveau statut, on a pris 5 ans, et puis on a 2 ans. Alors, nous disons merci. Nous attendons comme conseiller spécial, parce que Serge Gilles, Robert Auguste, Victor Benoît, que les gens passent aux deux présentations pour le travail que ont fait dans le pays pour le parti. Et bien, secrétaire général, là, président de parti, nous attendons pour former le club des conseillers spéciaux, pour yo corriger moi même si c'est moi qui président parti hein, pour yo corriger député Hermogène si c'est lui qui président parti hein, nous besoin conseil, nous besoin appui, nous besoin tout ça qui était apprendre nous pour yo mettre yo en application et pour yo montrer à pays que fusion prêcher par l'exemple. Non seulement respecter statut mais former des cadres qui pour renouveler pour après yo c'est pas yo. C'est nous même seulement qui a fait ça et n'attend yo nous compter sur yo pour yo aider nous faire exercice ça et pour nous bailler pays a yon exemple. C'est une occasion assez significative pour nous par le fait que il y a deux cartels qui c'est deux compétiteurs qui sous table là qui ensemble bail conférence conjointe là pour nous montrer nous même au niveau de la fusion nous c'est moun sérieux, nous c'est moun qui respecte démocratie, nous c'est moun qui respecte règles jouette là. Nous entendons, quel que soit cartel qui prend
nous capable dire reine partie pour que l'autre cartel là côté appui pour nous capable diriger ensemble et nous même au niveau fusion c'est exemple de vivre ensemble ça que n'a bail dans quatre perspectives ça côté camarade Pédricasso énoncé que c'est vrai que la fusion va bien par le fait que nous avons exercice en démocratique mais cependant nous voulons signaler dans exercice démocratique ça il y a deux anomalies que nous-mêmes n'a goumé pour nous faire respecter. Par exemple, nous avons le président du comité de congrès, le docteur Aubert Auguste, qui lui-même a refus catégorique pour le chita avec les concernés. Parce que le congrès organise au bénéfice de qui? D'abord, nous dit c'est pour la fusion. Et ensuite, pour les trois cartels. Donc, si c'est pour la fusion et pour les trois cartels, que le Congrès travaille, et mais il y a une obligation pour que l'ICHITA, ensemble avec un cartel, pour définir les modalités, pour nous connaître que le déroulement Congrès a commencé à faire, agenda Congrès a commencé à faire, thématique Congrès a commencé à discuter sur lui. Ce n'est pas pour imposer nous, pour l'en paraître, jour dans le Congrès, pour que surprise, pour nous connaître que c'est pour une seule équipe qui travaille. Donc nous-mêmes, nous dénonçons ça. Et nous souhaitons que le président du Congrès a lié ses îles en tant que conseiller spécial de la fusion. Donc, normalement, nous faisons appel à sa geste. Parce que c'est Youn, un fondateur, qui permet que le parti sacré les fusions existent. Donc, je dis à là, les gagner pour lui-même, lui montrer que ils sont sages. Parce que nous-mêmes, nous voulons pour que nous fassions exercice démocratique ça à l'intérieur du parti. Deuxièmement, nous voulons signaler à l'attention de la presse, nous sommes capables de dire déclaration que nous avons nouveau secrétaire, actuel secrétaire général parti a été fait dans le Congrès Sud-Est. Là, elle fait comprendre que il n'y a pas de rapport pour que les bailles ni militants ni candidats parti. Nous dit c'est grave. Nous dit c'est grave, là, nous connaissons que c'est au monde tant qu'Osmond Pradel qui fait déclaration ça. Parce que nous connaissons Osmond Pradel qui il est. Nous connaissons, c'est un homme probe. Nous connaissons son homme sérieux, son homme, son modèle, qui baille ça qu'a fait déjà dans le pays. Mais cependant, l'aime temps de le faire déclaration, ça m'étonne. Parce que les objets, d'abord, on a dit question financement que les partis politiques, là, il y a deux problèmes que nous mettons en question. D'abord, sur le plan administratif, ça pose un problème, on est capable de dire, de transparence. Parce que l'OAB dirigé, il faut être transparent. Donc, l'important sur le plan administratif, pour que moun wap dirije yo ou ba yo information sur comment wap gérer. Donc ou pa ka di ou pa gagner compte pour rendre ni à militant ou pa gagner compte pour rendre ni avec élu. Nous dit ça c'est grave. Sur le plan politique, nous dit ça pose un autre problème parce que si n'a parlé de démocratie, si n'a parlé de état de droit, on pense que c'est pas normal pour un dirigeant dit il pa gagner compte pour rendre à personne. Donc nous-mêmes en vertu de toute question ça yo, je dis à nous disons nous-mêmes, nous voulons que la fusion, qui est un parti modèle, reste et demeure ce qu'il est. Et nous devons travailler pour l'avenir. Eh bien, pour nous travailler pour l'avenir, comme venait de dire notre camarade Pédrica, eh bien, il faut que nous bâillons exemple du respect des normes démocratiques à l'intérieur du parti pour que les présidents Jovenel prennent faire conseil électoral permanent. L'élu prend un conseil électoral permanent, il va saliser, nous ne pouvons pas dénoncer. Les conseils électoraux qui prennent le fait là, nous ne sommes pas crédibles, nous ne pouvons pas faire bonne élection, nous ne pouvons pas dénoncer. Si nous même en fusion, nous ne pouvons pas faire bonne élection. C'est ça qui fait que camarade Pédicat est prêché par l'exemple. Donc, encore, l'article 55.5 nous dit clairement, il définit dans le statut partia, il dit que la direction qu'il a, il n'est pas capable de jouer prérogative ça. Parce que les dispositions transitoires de l'article 144 la prend effet dans l'élection qu'a fait là. L'hypoco en fonction. C'est à partir du troisième mandat, du troisième congrès national là que la prend entrer en fonction. Donc, c'est en fonction de ça que nous organisons conférence conjointe ça, les deux cartels, le cartel réconciliation et le cartel alternative pour la jeunesse, pour nous dire non, nous-mêmes, nous voulons que fusion 1, l'irrité modèle que l'il y a, modèle pour la société haïtienne, modèle pour la démocratie, modèle pour l'état de droit. Et nous voulons faire exercice ça depuis
à l'intérieur du parti parce que nous avons des militants aussi qualifiés que dirigeants qui dirigent nous là, qui sont capables de représenter le parti valablement. D'ailleurs, la preuve en est bien grande. Une série de réunions qui sont faites, c'est une de nous qui représente le parti, soit au niveau du CEP, soit dans d'autres instances qui pourraient défendre les intérêts du parti. Eh bien, si nous sommes habitués à le représenter le parti valablement dans des réunions, je dis à l'âme quoi que nous sommes tout aussi capables de diriger le parti, même gens avec notre camarade Osmond Pradel et notre camarade président du parti Edmond Supis Bojil. Et nous demandons pour tous les militants du parti à travers les 14 régions mobiliser pour que nous fassions exercice démocratique ça. Parce que Fusion nous dit depuis plus de 3 ans, une série de structures là-dedans qui n'est pas fonctionnelle, à savoir groupe de jeunes, groupe de femmes, les séances de formation hebdomadaire, nous dit que ce n'est pas possible pour un parti comme le nôtre, pour que je dis à la, nous, pas qu'à fonctionner comme ça doit. C'est jour lancement et une organisation qui est AFP Femmes. AFP Femmes, c'est action et formation pour la promotion et l'épanouissement des femmes. Qui sa mission est? Mission AFP Femmes, c'est promouvoir les convenances sociales, le protocole et étiquette de table. Mission nous encore, c'est éduquer des jeunes, des cadres, des universités en cette matière. Qui c'est protocole vestimentaire, convenance sociale et étiquette de table. C'est mission nous. Nous pensons que le pays n'a pas seulement besoin des politiciens, il n'a pas seulement besoin des militants, mais il a besoin tout des hommes et des femmes qui mettent ensemble qui pour aider à construire une société. Et surtout de nos jours, nous voyons que la société a perdu en pile valeur. Surtout les valeurs sociales, les valeurs morales. Eh bien, la mission des AFP Femmes maintenant, c'est de relever l'image de la femme haïtienne, de l'homme haïtien en général. Tout côté nous passer pour nous capables vraiment voir que nous sommes des exemples. Nous comprenons comment pour nous comporter nous dans toutes circonstances et pour nous capables faire bonne présentation. Et en passant, on dit que AFP Femmes, ce n'est pas seulement une organisation de femmes, mais c'est une organisation de femmes inclusive. C'est-à-dire, pas de discrimination entre garçons et femmes dans AFP Femmes. Et c'est pour ça que nous on dit que c'est une organisation inclusive. Et parce que tout, nous, garçons et femmes, sommes capables de mettre ensemble pour être capables de faire ça qui est bon. Pour communauté, hein, c'est ça notre mission. AFP Femmes pas seulement là pour les professionnels, pour les cadres, pour les officiels, mais AFP Femmes a fait un travail que la famille n'a pas fait. Parce que dans tant longtemps, nous songeons que la famille était qu'on éduquait Timounio. De base, je t'ai commencé à éduquer Timounio, apprendre comment pour le chita, la chita, comment pour le ramasser, comment pour le chita sous table. Mais de nos jours, avec effritement ça, nous voyons que valeur ça au pas encore par démissionner d'où le rôle AFP Femmes qu'on y a là pour redresser bac là pour capable mettre mon yo sur rail côté valeur qui était perdu pour capable et avancer avec valeur ça pour nous capable retourner ensemble avec vous côté famille yo même yo laisser aller nous même en tant que jeunes mettre ensemble et puis pour nous capable aider l'autre jeune qui a grandi, monde qui déjà occupé une certaine fonction tout, AFP Femmes a plan pour capable aider au redresser ça qui était perdu, ça que vous pas joindre la caillou. Organisation en fait à partir d'un constat, Jean que m'tap dit l'intervention maintenant et Jean coordonnatrice là d'ap dit tout. Nous remarquons en pile fois nous gain des officiels, nous gain des gros dirigeants dans pays, il y a des monde même dans secteur privé qui pas justement maîtriser principe de protocole, principe de convenance sociale, Jean que pour mon habiller selon circonstances là. Jean Kodo chita sous table, façon pour manger à table, qui comportement pour gagner l'or pour corps ou bien l'or à une dame. Donc, ce sont ensemble de principes nous estimés qui sont fondamentaux pour nous-mêmes qui avons étudié la diplomatie et l'autre professionnel qui est avec nous dans l'organisation. C'est à partir de constat ça
nous avons une nécessité pour nous porter contribution par dans le secteur qui fait nous réfléchir pendant plusieurs mois de travail. Nous arrivons à lancer AFPFAM jeudi, côté nous allons collaborer avec pratiquement tout secteur dans le pays qui ouais même déjà avec nos nécessités pour que nous soyons image de notre niveau ça et qu'à pouvoir jaillir sur tout le pays, surtout dans nos situations pour nous représenter ou institution ou bien pays en général. Nous avons environ 12 associations. Hein? Nous avons des experts qui ont collaboré avec nous. C'est sûr, selon la situation, nous allons étudier avec groupe ou bien personnalité qui est en question, en modalité de formation. Nous ne pouvons pas dire que c'est des formations qui sont totalement gratuites, puisque quand même, nous avons fait appel à des experts, nous avons besoin des espaces, nous avons besoin des documents. Donc, c'est toujours une collaboration, une discussion, une négociation, mais toujours dans le souci de formation, contribuer, mais à la base, c'est pas une question de faire corps du tout. Nous sommes très ouverts à tout professionnel, tout le monde qui rend compte faut qu'il y ait un comportement qui est plus digne en société, puisque on ne doit pas connaître. Mais là, on rend compte. Position occupée a fait que, on prend la réunion tout le temps, on prend la dîner tout le temps, on prend le buffet tout le temps. Donc, un comportement pour gagner, et c'est les principes du protocole à la convenance sociale qui baoule. Donc, nous-mêmes, nous sommes très ouverts pour nous collaborer à toute personnalité, toute institution à niveau ça. C'est à partir de un constat, parce que ça n'a pas gagné longtemps, tu as une activité officielle, tu as vraiment officielle dans tout niveau dans l'État, tu as une grosse autobrette dans le secteur privé, et tu as des fonctionnaires internationaux qui étaient présents. Malheureusement, c'est à camper la tristesse, plusieurs dans nos associations qui ont participé dans le dîner ça. Nous avons par exemple des gens qui occupaient des grosses fonctions, et une table qui était de fouchettes, et une fouchette c'était pour les gens manger, une autre fouchette c'était pour le dessert. Malheureusement, le responsable a été mangé avec fouchette dessert là. Donc l'autre monde qui connaît le principe que tu as gardé, il était senti gêné et il y a pile d'autres problèmes tout au niveau ça posé. Donc là nous ouais ça nous pas ri ou bien triste, nous décider comme professionnels dans le secteur comme on capable prendre pour nous porter contribution par nous pour que problème ça ne pas ta gagner encore. Et là ça nous tout qui haïtien, nous chaque tout professionnel n'a senti nous plus bien représenté et d'a connait qui comportement pour gagner justement dans telle situation. Mais qui pourrait en Haïti pour réaliser au bas même? Vous comprenez? J'en compte tant de parler de lui dans son côté de barbonné. Mais acheter. Moi je parle de lui comme ça. Mais oublier ça. Et ça ne va pas quitter le fait. Non. Nous avons un moral, c'est l'éducation et puis le travail à fait. Et au fait. Non, il a essayé de faire, pardon. Il a tellement pas. Il a essayé tellement échoué là. Jacques Roumé là, je m'arrive à ça là. En plus, c'est là. Donc, l'éducation coûte cher, mais l'ignorance coûte encore plus cher. Donc, on prend l'éducation. Moi-même, Jacques, moi-même, Jean-Marie, moi-même, nous, tout qui l'a eu, nous mettons. La scolaire a lancé une activité annuelle. La police communautaire a gagné, elle a organisé chaque année. Elle a réuni tous les élèves, nos cadres enchanteurs, nos cadres de vivre ensemble, nos cadres pour nous croire le phénomène de violence qui gagne dans l'école. Donc nous connaissons ça, la violence est partout. Même lorsque nous sommes dans la rue, il y a une violence dans l'école, la violence est encore présente. Dans le souci pour nous courir derrière la violence, pour nous contrecarrer la violence, nous organisons un jeu intellectuel, un génie interscolaire qui peut mettre collège avec lycée ensemble, pour fraterniser ensemble, pour faire de bonnes guerres, de guerres intellectuelles qui peuvent permettre que nous avancions, nous sommes libres, nous sommes battus, et puis nous construisons. Pour venir des bons citoyens de demain. Est-ce que c'est l'expérience à vous, Anéa, et combien d'écoles nous gagnons pour participer dans l'école? Bon, année ça nous gagnons 24 écoles. Nous espérons l'année qui vient, quand la village, il y a plus d'écoles qui jouent avec du vol. Donc, parce que nous avons pile de monde, mais nous connaissons que, tenant compte de certaines MDKD, nous n'avons pas vraiment de grands moyens pour nous élargir le cadre de l'argent, tout le monde a souhaité. Mais nous pensons que l'État, et en pile monde dans la population a accepté yo vle initiative là il a joué main il a fait mes contrats ensemble avec nous pensons que avec Edupol police communautaire ou commandement PNH là la fini pas de doter nous de moyens nécessaires pour nous capable élargir cadre là l'année prochaine c'est qui édition et qui et l'école qui là ah OK nous dans 4e édition hein. Donc nous gagne deux écoles qui a joué là c'est lycée Jean-Marie Vincent et puis lycée Jacques Roumain de Grand Ravine donc je pense que, et je dis, il est clair que la police communautaire et Edupol voient l'image
en pile bagaille négative a dit de Gravine, mais nous était quoi, tout n'est pas fini, il y a quelque chose qui est positif qui existe à Gravine. Donc c'est le lycée Jacoumin de Gravine qui à sa deuxième match qui a joué, qui a vraiment a fait valoir zone. Il est vrai que Gravine yo dit que c'est une zone de non-droit. C'est une zone réputée chaude, mais cependant, il y a de bonnes têtes, il y a de bons esprits aussi, qui l'a vraiment, qui c'est espoir. Ça veut dire que tout n'est pas perdu, même lorsqu'il y a violence là-bas, mais nous-mêmes, philosophie police communautaire, là, la pétante sous Gravine, nous connaissons qu'avec éducation, nous n'avons pas de muraille que nous n'avons pas crasé, nous n'avons pas de côté, nous n'avons pas mettre la paix. Qui critère génie ça et qui compte support sortir pour pouvoir réaliser? Bon, critère génie là, où on est premier bagage là, c'est combattre violence. C'est créer un espace pour mettre les élèves ensemble. Que vous soyez lycéen, collégien, vous êtes des haïtiens. Vous travaillez pour le bonheur de la patrie. Donc si, je dis, nous, tu as gagné un lycéen, pas qu'à chiter avec collégien, ce n'est pas un problème. Nous tous ces haïtiens, nous tous devons chiter ensemble, nous tous devons participer dans la construction du pays. Je dis aux élèves, demain c'est eux-mêmes qui prennent des autorités, qui prennent décider pour le pays. Donc c'est un souci ça que nous mettons activité intellectuelle ça sur pied. Support au commandement PNH, toujours accompagner nous. Le ministère de l'Éducation nationale, nous avons un vivario qui vient en support, ambassade Canada, et qui permet nous réaliser pour les jeunes. Bon, nous plus c'est mettre en phase sur classe terminale, élèves de philo. Mais il y a des écoles qui ont fait venir jouer tout. Élèves qui n'ont pas tout, d'abord dépend de performance, élèves la capacité intellectuelle. Donc ça permet que l'y avance avec l'école. Mais l'emphase est mise sur la philo. Bon, attendez nous à la 4e édition, hein, qui s'allie, c'est ouais, le plus possible. Élèves, ça comprennent ça que les notions de civisme. Ils comprennent ça que les pays. Ils comprennent que faut participer à la construction du pays. Construction pays commencer souvent l'école. Et puis il pourra le finir dans l'université pour y avancer demain pour nous en Haïti que nous avons rêvé tout le temps. Donc nous avons souhaité que élèves ça yo fui côté m'te kadi restaurant, côté gen jouet aza, côté gagner activité qui pas gen rapport avec éducation, les à l'école c'est là y aller. Donc c'est dans souci ça nous bay élèves ça yo ligne ça pour marcher sous lit et puis pour vivre demain vraiment. Il y a vraiment des citoyens utiles, vraiment honnêtes à la société. Bon, nous avons une perspective pour nous toucher notre département. Mais vous connaissez, ça ne dépend de nous. Nous avons une institution hiérarchisée. Donc, au commandement, il toujours prend activité à cœur. Donc, ça parle, il y a pensé sous lui. Je pense qu'au fil du temps, au fil des années, n'a privé pas toucher les 10 départements du pays. Et je pense que tout le pays a vraiment absorti satisfait du travail qu'on a fait. Bon, nous disons qu'on prie. Alors, les gens qui arrivent et terminent en premier, alors l'école qui arrive et termine en premier, la bombe a telle somme de 100 000 gouttes et le deuxième 50 000 gouttes. Et nous avons aussi d'autres primes alléchantes. Nous gagnons des bourses d'études aussi que au paquet d'universités octroyé à Edupol avec direction de l'école là. Je pense que nous sommes capables de faire l'autre élève qui n'est pas capable de prendre chemin à l'université après qu'il finisse de terminer le bac. Ça permet que nous puissions aller pour suivre étudier dans l'université. Donc, combien de temps concours là? Un bon concours là, on a fini. Si pas gagné de convenient, je pense que bonjour a fait nous finir le 27 avril. Dans le cadre gros rassemblement que Élan démocratique pour la majorité EDEM a organisé matin dans le cadre de quelques activités là nous saluons presse là qui toujours qui c'est quatrième pouvoir en dans démocratie qui pas jamais lagué peuple haïtien dans toute situation difficile qu'elle a passé matin et nous même en dans parti politique EDEM nous ici à dans qu'on connaît pour organiser activité là dans le cadre que pour nous projeter un regard sur l'ensemble.
digicelle qui est différente de la digicelle normale. Et ils ont réellement le plaisir d'investir dans des programmes à long terme. Our main focus is education for young children and primary age. And we do this through three programs. Notre but principal, c'est d'aider les jeunes enfants et même les adolescents. Et nous le faisons sur trois volets. We have a school construction program which we are proud to say we just inaugurated our 175th school in Haiti last month. Nous construisons des écoles à travers le pays. Et actuellement, nous avons atteint 175 écoles construites par Digicelle. But we know that with teacher certification rates in the classroom are very low. It's estimated that only about 20% of teachers are actually qualified. Nous savons aussi qu'il existe un autre défi. L'autre défi, c'est que seulement 20% des enseignants sont des enseignants de qualité. So our second program is a professional development program whereby we invest in the directors and the teachers at the schools that we build. Nous sommes aussi en train d'investir dans les professionnels pour que ces écoles que nous avons construites soient des écoles vraiment de qualité et qui donnent un enseignement de qualité. Université d'État d'Haïti ouvert ou l'école parce que nous connaissons que nous avons un pile de monde pour jeunes qui ont fini qui ont besoin d'un bon métier pour le faire. Et bien ça nous sommes trouvés là, sont l'école que relé ou l'école d'optométrie qui va durer sous 4 ans, là bas nous avons une licence d'optométrie. Qui ça optométrie a gagné une spécialité dans le monde de l'ophtalmologie qui étudie Dieu monde, qui étudie maladie avec traitement, tant avec remède qu'avec chirurgie de Dieu monde. Mais à côté de ça, nous connaissons nous-mêmes qui photographes, nous connaissons que Dieu a son appareil photographique qui gagne un système optique là-dedans. Donc, mon spécialité partout dans le monde, depuis près de 40 ans, spécialité ça a existé. Il y a presque 2000 écoles d'optométrie dans le monde. Sous côté de la République dominicaine, il y a même 20 écoles d'optométrie. Eh bien, l'Université d'État d'Haïti, à travers le rectorat et le décan de la faculté de médecine, nous ouvrons là où l'école qui va durer 4 ans. Nous prenons un premier groupe de 19 étudiants et après 4 ans, il y a diplômé comme optométriste. Maintenant, à part service optométrie, nous connaissons que c'est des agents de santé. Ils ont sorti dans l'école de médecine, nous apprenons des maladies qui ont un rapport avec Dieu. Parce que une série de maladies comme le diabète, tension, anémie falciforme, sida, qui ont une série de réactions dans Dieu. Donc c'est tout ça que nous allons prendre en compte pour nous kakembe la population haïtienne en santé. Et c'est la faculté de médecine qui a coiffé l'école ça. Définitivement, au niveau de l'Université d'État, gen ça nous relé un campus. Un campus, c'est une association des écoles de santé. Là, on a regardé le marqué campus, il y a une faculté de médecine, il y a une faculté de pharmacie, il y a l'école infirmière, il y a l'école de biologie et quoi il a ajouté l'école d'optométrie. D'ailleurs, nous avons en accord avec le rectorat, nous gagnons pour nous faire un paquet de l'autre école. Ça permet de nous servir jeunes haïtiens qui ont sorti la faculté, qui ont sorti dans l'école, l'école secondaire. Je dirais que sa maladie des yeux représente en termes de santé. Au point de vue santé, maladie des yeux atteint au moins 20% population. Il faut qu'on dise que l'une des grandes causes de cécité chez les enfants haïtiens sont les ophtalmies qui ont manque de vitamine A.
notion qui est importante dans l'école d'optométrie. Non seulement nous prenons le traiter les gens, mais nous gagnons un rôle de prévention dans la maladie. Parce que ça qui veut la médecine, ce n'est pas seulement traiter la maladie, c'est aussi pour empêcher que la maladie entre sous nous. Par exemple, une maladie qu'on cause ophtalmie, depuis une maman petite connaît que vitamine A, son bail qui est important dans la vie, la connaît que bon mouvement, bon programme de vitamine A dans tout dispensaire ministère de la Santé publique qui pral kembe jè moun la en santé et qui pral aider la population à aller mieux. Il faut connaître que un monde qui pa wè, un monde qui pa wè son handicap important lié la société a et la famille tout. Est-ce que professionnels qui des spécialistes Nous ouais ça nous t'a dit tout au cours de discours. Nous gain spécialistes haïtiens qui gain doit prendre une partie dans cours. Mais l'école d'optométrie sont un partenariat national international. Par exemple, pendant le mois d'avril là, nous gain deux experts canadiens qui vont venir qui pour aller faire un cours d'introduction à l'optométrie et qui pour aller même faire mathématiques de l'optique. Donc avenir l'école là est assuré pour type de partenariat que nous construisons. Moi l'école là pratiquement vide, est-ce qu'il est déjà opérationnel? L'école là fait fin construit. L'école là pas vide non. Premier cohorte là actuellement a suivre des cours communs dans salle que nous gagnons dans campus principal là. Ça son campus secondaire que nous gagnons pour nous remercier USAID qui construit lui et groupe de donateurs étrangers qui viennent faire une école spécialisée en soins optométriques. Vous pouvez aller voir un laboratoire là, un tout bail, pour aller une salle de classe. Ça coûte combien? L'école là, lui-même, toute l'école là en général, son don de 24 millions de dollars US de USAID. Réparation ça coûtait à peu près 200 000 dollars US. Et combien de temps nous prenons pour nous mettre le campus? L'école là, ça a été un long processus. 2014, il était fait 2 ans pour construire. Et depuis l'année passée, nous rejoignons un nouveau bâtiment. Image ça lui-même c'est un qui tape descend ici. Ou après toute semaine quoi, ou toujours revenir déposer quoi là. Faites mon camel ou toujours venir faire perception là. Y a pas jamais de l'autre côté. Quel que soit mon ouais dans mon camel en bas. Puis bon prière ou venir faire là pour personnel venir faire pour compte. Chez Massa avec Kana ça nous gagne qui en face là. C'est mon tête Kana oui à tout bec. C'est là où le ministre vient, il va retourner. La fête touriste dans le pays. Vous voulez comprendre ça? Parce que là, son côté, on a. Ouais, regardez là, son lac très plat. Pour rentrer là-dedans, c'est baissé. Vous tapez baissé pour rentrer là-dedans. C'est un grand miel devant, même parfum. Vous pouvez mettre sous, vous rentrez là. Si vous sautez dans la relation avec une fille, vous pouvez rentrer là. Miel là, t'as pas vaillé. Ok, nous devons arriver dans les 3 gouttes là, mettez-le sous chemin pour tout le monde de well. Mais à tout temps, nous toujours invité l'État. Vite là. Et pas longtemps, quand Kadabouko est là, il est venu pour un grain. Pour le faire foumous, c'est nous-mêmes qui sommes obligés de bloquer. Parce que la mairie n'est pas connue. Malgré ta détérioration et tout ça, est-ce que nous avons des touristes qui viennent visiter quand même? Bon. C'est catholique. Pèlerin, toujours. Vaudou, ils ont toujours.
fait voyage ici avec moi. Quelqu'un l'école, c'est pour l'école suivant. La mairie, de vous, la mairie toujours a voué pour nous toujours recevoir, toujours avoir une bonne information. Ça nous a bien aimé, ouais, qui t'a fait. Bon, ça nous a aimé, ouais, pour fait. Son la gote la qui est tellement lagué, nous avons aimé la mairie, prend responsabilité de gote là, et puis nous-mêmes pour tout, pour nous prendre responsabilité avec la mairie. Si c'est fait, il y a mis, après ça nous-mêmes, pour nous planter, pour nous reboiser, pour nous mettre le fermeté, pour nous foncer de bas côté pour nous chiter, même jardiner là, nous, j'aime commencer à lire. Pour nous, nous-mêmes, comment nous avons fait un peu pour richesse sa carité, normal. Ici, là, c'est un lieu naturel, un site naturel. C'est le premier site naturel Carrefour qu'il a depuis temps esclavage. C'est l'histoire rapportée que l'esclavage, dès qu'on refugie ici, là, puis au fur des atrocités, justement, du système esclavagiste qui est institué en Saint-Domingue. Non? Et amis, l'histoire rapporte tout, que y a une série de bleus français qui étaient habités tout près à là. Et ce gars de l'image, ça, c'est ce gars de l'image, après que c'est Mont Carmel, la petite histoire rapportée qui est descendue dans la zone. Et il y a un blanc français qui était là, qui était là, les fusils qui tiraient. Et Mont Carmel, tu as le descend, bisoton. Ça fait chaque fois qu'il y a une fête Mont Carmel, c'est 16 juillet. Oui. Donc c'est là, généralement, pèlerin est venu, chargé à mon nom, parce que pour eux-mêmes, c'est là Mont Carmel de descend, mais. Ni moi, tiens. Ni moi, tiens. Moi-même, ce que je dis là, c'est qui ça, c'est montrer mon nom, ça qu'il faut gagner comme patrimoine. Que, qui pas valorisé, que nous perdu le sens du patrimoine. Et tout le monde qui t'a vu Carrefour qui mourir dans le cimetière là, son véritable dépôt de cimetière au retourner. On va venir là pour nous plaindre, seulement pour montrer mon que c'est des bagages qui important pour nous que nous pas travailler sur eux. Nous devons là avec ministre touriste, ministre Menos, encore une fois, nous répéter le vin là depuis l'année dernière, ça fait un an. Nous pas jamais entendu l'encore, nous avons ensemble de mon projet pour nous mobiliser partenaires avec fonds méga by Copto pour nous délimiter espace là. On est protégé encore une fois, faire les tourner en lieu touristique, qui a rapporté des millions à la zone, au quartier. Et je dis à ces cabri de cochon qui sont condamnés là-dedans, c'est M. Sayo, c'est Ronald, c'est Nicolas, c'est Roman, c'est Dieu de là. Clairvaux, c'est eux-mêmes. Mano, qui là, je dis qui là, qui fait qu'une carte là. Ça a gagné, n'était pas été là, tu as une mauvaise odeur. Oui. Là, ouais, mauvaise odeur, quasiment, allez. Donc, dans le cadre de partenariat nous avons avec la ville de Santiago de Cuba et le Lamantin, il y a des spéologues français et cubains, et bien avant longtemps, qui ont entré là, qui ont fait une exploration pour nous, tester tout ça qu'il a et regarder comment on est capable de faire une réhabilitation de l'espace-là. Toute construction anarchique qui fait tout autour de lui maintenant, nous a annoncé qu'il nous va le graser. Les gens qui l'ont déjà demandé de plus aller, et vraiment et sans brutalité. Sinon, la mairie a pris décision avec beaucoup de fermeté pour ici là son lieu de pèlerinage. Ça fait un lieu de rendez-vous. Ça fait, nous avons arrêté communal dernière qui a décrété 7 mai, journée communale du patrimoine. Eh bien, 7 mai à Nessa, ici là avec tunnel là, eh bien, c'est des espaces que nous allons valoriser. Nous avons invité les gens à venir visiter l'espace pour nous voir qui ça a gagné comme patrimoine. Mais nous pensons que c'est blocus, c'est fatra. Donc, on a fait ça aujourd'hui, on a passé tout côté. Nous parlons de Grotte et Rivière Froide là avec tout. Nous parlons de tout côté pour nous mettre ça Carrefour. Et c'est une ville qui fait partie, qui vieille, mais qui est en pile bas là-dedans, Samuel. Mais pas oublier, l'histoire de Carrefour est aussi vieille que l'histoire de la République. Carrefour a gagné 205 ans d'existence. Donc, regardez ta ville là, on seule voie d'accès. Donc, effectivement, je pense que c'est qui pour faire. Pas de route, pas de l'eau, pas de rien du tout. Mais c'est pas de l'eau, pas de ressources en eau. Mais on fait une exploitation abusive. Et qui pas retourné par la population. Donc, nous avons une dynamique de valorisation du patrimoine communal là. Ça fait nous sortir avec Zaminou pour nous montrer Carrefour et annoncer toutes les décisions que nous allons prendre avant de quitter mairie comme magistrat. Bavok plongé dans une tristesse qui sent pareil. Nous crions roukoukou, roukoukou, roukoukou pour grand conseiller Antenor Guerrier qui traversait dans le pays Alada. Qui est-ce qui était Antenor Guerrier? Il était un citoyen qui était prend naissance dans Port-au-Prince. Il fait études classiques et secondaire à Frère Polycap, Saint-Yves et lycée Fumé. Il était passé 19 ans dans la ville, dans le pays l'autre bord de l'eau aux États-Unis. Antenor Guerrier, c'était un citoyen conséquent qui est toujours actif dans la vie société. Exemple, ça est capable de témoigner. Il était coordonnateur RANAV, Rassemblement National Vaudouisan. Administrateur et fondateur KNVA, Confédération nationale vaudouisan haïtien,
membre actif et important en dans entrailles enfants tradition haïtien, grand conseiller et fondateur Bavok. Pour nous avancer plus loin, grand conseiller te servi l'État, il n'a plus haut niveau conseil électoral provisoire dans l'année 2009-2011. Assistant chef personnel mairie Tabac dans l'année 2004-2006. Consultant mairie Pétionville 2001-2002. Directeur général mairie Delma 1990. Entrepreneur et homme d'affaires. Un militant politique, vaudouisant engagé à son gouvernement tout nommé. Dans ce sens, Bavok remette le bien bas encore pour le salier famille, madame, petite, zami, collègue et frère dernier pour tout le garçon. Bavok a profité pour lui rappeler tout le monde que un véritable vaudouisant pas mouru, mais il traversé. Dans ce sens, Bavok a invité tout le monde dans le bureau national ethnologie, jusqu'à samedi 14 avril 2018. Là. Pour venir rendre un dernier hommage mérité à grand conseiller Antenor Guerrier. Depuis 6 heures du matin, pour nous finir dans le parc du souvenir, à midi. C'est comme ça que nous mettons voix nous ensemble, nous crier Woukoukou, Woukoukou, Woukoukou. Vol Téléguiné, Kadil Jean-Lier. Chaque jour, tout va jouer à 4 heures. Dans le matin à 8 heures. À midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix montée, Gabriel Jean-Bierre.